La confusion règne dans les rues de Ouagadougou. Ces violences ont déjà fait plusieurs victimes près du palais présidentiel, deuxième cible des manifestants. Quand la foule s'est approchée de l'enceinte, les forces de sécurité ont riposté, gaz lacrymogène et tirent à balles réelles, comme le montre cet homme à l'image. Tout d'un coup, arrivé à notre niveau, je n'ai rien compris. Moi, je me suis trouvé à terre seulement avec des rafales qui tiraient avec lui, sur derrière ma moto. Je n'avais pas encore vu qu'il avait reçu une balle. Pour moi, c'est sa tête qui était percée. Je me suis rendu compte que c'était une balle réelle qu'on l'a tirée par le cou. C'est en ce moment où j'ai senti quelque chose à mon dos. J'ai voulu regarder, j'ai touché, j'ai vu que c'est du sang. Bon, la balle l'a pris par le cou. C'est là. Ouais, la balle l'a transpercé comme ça. Il est mort sur le cou. La révolution burkinabé a eu lieu, mais il a fallu payer le prix. Au nombre des martyrs tombés sur le champ de bataille pour l'avènement d'un Burkina plus libre et démocratique, figure Woba Nyampambou Aristide Fabrice, alias Fab Lafin. Son corps sera retrouvé et identifié quelques heures plus tard à l'hôpital Yalgado Ouédraogo. Le jour de la manifestation, le jour du 30, j'ai un ami qui travaille à l'hôpital Yalgado du nord de Diabila qui m'appelle pour me dire que non, lui vient de voir le corps de Fabrice tout à l'heure là, mais de venir identifier le corps parce qu'il va amener ça à la morgue. Quelques jours après sa mort, nous nous retrouvons avec ses amis au quartier Wemtenga, bastion du roi pour Burkina Faso. Voici Woba Nyampambou Fabrice Aristide. Ouais, il est connu sous le nom de Fab Lafin. Ouais, c'était son nom d'artiste. J'ai eu à faire mes études à Fadan Gourma, au CFP. Fabrice, il vendait un kiosque là-bas. Et là, vous voyez, la vie estudiantine, souvent, c'est un peu compliqué. Donc souvent, quand ça ne va pas trop, on pouvait aller dans son kiosque là-bas et dire « Ah, frangin, c'est bizarre, quoi. » Et ouais, il nous trouvait à manger quelque chose comme ça. Il est venu à Ouaga, on est restés ensemble. Il est resté chez moi près de 2 ans. Bon, en famille, quoi, près de 2 ans. Puis, loin, c'est la lumina. Nga l'outil mousso d'inche, le nanana et le kono. Donc, en koumi, nous avons fait. En bem, nous avons fait. 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 Depuis Fada, il avait des projets de faire sortir un jour un album. Il avait un certain charisme quand il montait sur scène, même avant même de prendre le micro, toute la foule en jaillit derrière lui. Quoi. Avant même qu'il prenne le micro, avant qu'il dise quelque chose, même quand il fait « Ah !», tout le monde chante. La dernière fois que j'ai vu Fabrice, c'était la veille de son décès. On était ensemble au petit kiosque en train de boire un café. Et après ça, il est passé chez moi vers 18h comme ça. Il a fait 30 minutes et puis il est parti. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Lundi, Ludara. O dugu sa gete woni mardi anana lu kono ne ya ne na ne tun sikene be ludara an kuma na yoko fe le 30 matin quand je me suis réveillé, je suis venu à mon salon comme d'habitude. Maintenant, comme tenu qu'il y avait la marche, je n'ai pas voulu ouvrir. Je me suis levé tranquillement aller voir Fab chez lui. C'est moi-même, je l'ai réveillé sur son lit qui n'a qu'à se lever. Et puis j'ai dit, il n'a qu'à donner le programme, comment on va faire. On a fait savoir qu'on va regarder ce que les gens ont eu à brûler le 29. Ça nous a conduit jusqu'à Koulba. À notre retour au niveau de Bouinsiaré, on nous a fait savoir qu'on a pris l'assemblée. Je lui ai posé la question, je demande où allons-nous. Il m'a fait savoir qu'on va aller au niveau de Kossia. Net quand on a dépassé la maison de permis,
Derrière nous, on attendait des cris qui disaient que les soldats sont sortis. Effectivement, on s'est caché là-bas. Après, quand l'armée a passé, on est ressorti. On voulait prendre la voie maintenant pour Kossia. Net qu'on sortait, une deuxième équipe qui arrivait de l'armée. Ses proches sont unanimes. Le sacrifice de Fabrice n'a pas été vain, mais toute la lumière doit être faite pour lui et pour tous les martyrs. J'espère que la justice fera de son mieux pour que ceux qui ont fait cet acte-là puissent répondre en fait de ce qu'ils ont fait. Dans tout ça, là, dans le Burkina Faso, je n'ai sur le bistère. On connaît, on fait un finger à donner, mais je n'ai sur le bistère. Donc, abora ka lutte mina adni torara ala le bise ka do foni na netise ka foi foni na voilà mais na kera sababu ye na ka saya ni bina ke je nous fana fana ko ye resoro. C'est vrai que ce sont des larmes pour ses parents mon torara ali mon fana kera sababu ye ka do de nimbo am se ka mulo fo am bi deli ke baye ambi matigi dari ambi matigi dari hali bila ka kuma mu dusura. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.